Le thème, mon peuple qui m'obéit. Mon peuple qui m'obéit. Dans 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est s'humilie, un peuple qui s'abaisse, un peuple qui est humble. Amen. Et ce peuple encore qui a la vie de prière, ou une église qui avance, lorsque le peuple est humble et que le peuple prie, et que le peuple cherche la face de Dieu, par le jeûne, par la prière, par la consécration, et change de voie, se détourne de ses mauvaises voies. Amen. Ce peuple-là, Dieu les ose des cieux. Amen. Donc, quand le peuple écoute le serviteur de Dieu, amen, Dieu l'écoute, Dieu le bénit. Et quand nous lisons dans Exode 3, verset 7 à 8, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Qu'est-ce que Dieu va faire? Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Que lui font pousser ses oppresseurs? Oui. Car je connais ses douleurs. Oui. Exode 3, 7 à 8. Au verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Vous comprenez? Dieu dit, il entend le cri de ce peuple qui pleure. Et lui, il est descendu et il les a délivrés et les a envoyés dans un pays où il coule le lait, le miel. Amen. Donc, quand un peuple obéit Dieu, Dieu est obligé de descendre. Nombre 6, verset 22-27. Parle à Aaron et à ses fils. Il dit, parle à Aaron et à ses fils. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Alléluia. Vous voyez, Dieu dit de dire à Aaron, Moïse dit, Dieu dit à Moïse de dire à Aaron et de dire à ses fils. Amen, ce sont des sacrificateurs. Donc c'est comme ça que vous allez parler quand vous êtes en face du peuple. Et vous leur direz ainsi. C'est-à-dire Dieu leur donne comment les bénir, comment les amener à être dans la gloire, dans sa présence. Alléluia. Donc quand le peuple obéit, amen, à Dieu, à son serviteur qu'il a établi, Dieu touche son serviteur et Dieu amène la bénédiction sur son peuple. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi vous voyez que souvent dans l'église, la bénédiction ne descend pas parce que Dieu ne oriente pas son serviteur comment bénir son peuple. Parce que le peuple est désobéissant. Mais quand le peuple est obéissant, Dieu dit à son serviteur, c'est comme ça que je veux que tu bénisses mon peuple. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Et vous leur direz ainsi, vas-y, vas-y. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Vous voyez, Dieu demande. Vous voyez la bénédiction que Dieu veut à son peuple. Il dit que l'Éternel fasse quoi? Lui. Lui. Lui, ça vient du verbe briller. Amen. Bien-aimé, si la face de Dieu brille sur ton visage, sur ta vie, mais tu es béni. Amen. Le royaume des cieux, c'est la lumière. Il dit que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Tous ceux qui ont rencontré Jésus, leur vie a changé. Parce qu'ils ont vu la face de Dieu, la lumière de Dieu. Leur vie a changé. Amen. Donc, il dit, c'est comme ça, vous devez bénir le peuple. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et que fasse quoi? Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Amen. Il y a lui et la grâce. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et puis quoi encore? Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alléluia. C'est-à-dire, la bénédiction que Dieu veut donner, c'est-à-dire, toujours sa face. Amen. Il tourne sa face. Tourner sa face. C'est-à-dire, Dieu assis son trône et Dieu, lorsque tu bénis, lui, Dieu, il fait tourner sa face. Parce que quand la face de Dieu est sur toi, tout ce qui est mauvais esprit fuit. Parce qu'il n'y a pas un esprit qui peut résister devant la face de Dieu. Dieu, sa face se tourne vers toi, mais tu es béni. Parce que la bénédiction de Dieu émane de lui. La puissance de Dieu émane de lui. Donc, tous ces puissants d'esprit, mauvais esprits, s'en vont. Parce que Dieu fait briller sa face sur toi. Vas-y. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Vous voyez, il parle ici quoi? Mon nom. Et ici,
Il dit, le peuple qui est invoqué, mort, non. Donc, quand le nom de Dieu est dans la vie de quelqu'un, c'est pourquoi Jésus est venu, il y a une chose qu'il a dit, il n'a pas dit que au nom du trône, non, il dit, en mon nom, vous serez bénis. Hébreux 10, 16 à 17. Oui. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là... Avec qui il veut faire alliance là, s'il vous plaît? Au peuple d'Israël. Amen. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur bouche et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Amen. Alléluia. Vous voyez, quand tu obéis à Dieu et que Dieu vraiment veut te faire faveur, il y a une grande mission qui t'accorde. Il met sa loi dans ta bouche et dans ton cœur. Le péché qui est dans ta vie, bien-aimé, il ne se souvient. Quand quelqu'un ne se souvient pas, ça veut dire quoi? Donnez-nous des synonymes, oui. Il ne se rappelle pas très bien. Il a oublié, il ne se rappelle plus. Tu as péché. Avant même que tu ne viennes à l'église, tu as déjà péché, tu as fait des choses. Et puis tu es là. À chaque fois, c'est toi, Satan va te rappeler. Non, toi, tu as péché là-bas, là. Toi, tu as volé poulet, là. Toi, tu as fait ceci, là. Tu n'as pas fait ceci, là. Dieu dit, il a oublié. Et puis, toi, tu te soucies pour quoi? Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Il dit, je me rappelle. Toi, tu es demain. Seigneur, moi-même, là. Je demande pardon pour poulet que j'ai volé, là. Je voulais. Mais quel poulet? Non, c'était dans le campement de Kwadjo. Ce jour-là, tout le monde n'était pas tout le champ. Il a attrapé le poulet, là, il a mangé. Dieu te demande, mais tu parles de quoi même? Il demande aux anges, il parle de quoi? Il dit, mais il, dit, il a volé le poulet. Le Seigneur fait comme ça. Il réfléchit jusqu'à. Il fait partie de Genèse, d'Adam et Ève. Jusqu'à il passe, il revient sur lui, il passe. Je ne me souviens pas que tu as volé le poulet. Les anges ont dit, mais là, quel problème? Alléluia. Parce que le sang de Jésus t'a rendu pur. C'est. Il ne se souvient plus de tes péchés. Son peuple, là, qu'il honore, là, il oublie ses péchés. C'est pourquoi souvent, vous êtes là, on appelle démon de culpabilité. Regardez, lui, là, c'est un démon qui te rappelle de tous tes péchés. Il va venir te dire que non, là, tu as volé ceci, là, tu as monté ça, tu as trompé ton mari, tu as trompé ta femme, tu as volé poulet, tu as volé coq, tout ça là. Non. Dieu ne se souvient plus. Ne se rappelle, c'est pourquoi je vous ai dit de nous chercher les synonymes. Se rappelle plus et ne se souvient plus. Il a oublié. Il a oublié. Amen. Quelqu'un n'a pas fait, si elle n'a pas fait songe et puis il a oublié. Nous tous, hein. Tu es là, tu savais que tu as fait songe bien, mais tu te lèves matin là. Il fait songe, j'ai oublié. Mais qui peut se rappeler de ton songe? Toi-même qui as oublié là, qui va se rappeler? Et Dieu là, quand il oublie, c'est l'oubli éternel. Les gens sont contents de dire, enfin, Dieu a oublié pour moi là. Alléluia. La parole de Dieu là, elle est douce. Elle est bonne. Dieu ne se souvient plus de tes. Ce que Dieu n'aime pas, c'est de ce que tu vas retomber dedans, refaire la même chose, Dieu n'aime pas. Amen. C'est pourquoi il a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Amen. C'est fini. Donc la femme adultère, quand les gens vont dire, toi là, tu as eu ta chance. Sauf si Jésus n'a pas été lapidé. Et le Seigneur l'a libéré. Il dit, qui vous convaincra, qui me convaincra de péché? Qui accusera les élus de Dieu? Amen. Nous allons lire ça dans Romains. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'y a jamais même pas fini, on dit personne. Et dans la vie ici, on n'a vu personne dedans. Alléluia. Gloire à Jésus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça dit nous-mêmes, là, souvent, la parole de Dieu, elle est puissante. Mais nos soucis font que, souvent, on gagne la défaite. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré, verset 32, pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Qui dit plus personne encore? Personne. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui est
Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Je vous assure que si Christ n'intercède pas là, Satan a brûlé le monde là. Mais il est aussi là-bas, il continue d'intercéder pour nous. Souvent là, quand tu dors, tu ne pries pas. Et puis le matin, tu te réveilles. Tu sais pourquoi? Bah, il a intercédé pour toi. Toute la nuit là, mais Satan finit avec toi. Alléluia. Mais il faut dire que non, comme enfin, il a dormi aussi fatigué. Seigneur, il faut intercéder pour moi et dormir. Là, là, tu as cherché par là. Gloire à Jésus. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Alléluia. Toutes ces choses ne peuvent pas nous séparer de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Non, on est bénis. Alléluia. Le verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, tu répètes avec moi, que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Qui nous sépare de l'amour de Dieu? Apocalypse 1, 6. Apocalypse 1, verset 6. Mm-hmm. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Et puis tu positionnes 1 Pierre 2, 9. Amen. La Bible déclare que Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Alléluia. Quand nous serons dans le royaume des cieux, vous voyez, il y a dit ici, est-ce que vous savez que vous êtes des sacrificateurs? Dans l'Ancien Testament, il y avait un souverain sacrificateur et des sacrificateurs. Aaron était souverain sacrificateur et ses enfants étaient des sacrificateurs. Alléluia. Mais aujourd'hui, le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Et nous tous, vous savez, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs, c'est eux qui lisaient la loi. Amen. C'est eux qui enseignaient la loi au peuple. Vous comprenez? C'est eux qui indiquaient, qui faisaient les sacrifices. Mais bien aimé, est-ce que où je suis en train de prêcher là, est-ce que tu n'as pas aussi la liberté de prêcher aussi dans la rue? Tu n'as pas aussi la liberté d'exhorter tes enfants à la maison? Alléluia. Avant, dans l'Ancienne Alliance, les rouleaux de livres étaient gardés. Et on lisait à chaque sabbat. Et ce sont les sacrificateurs qui avaient la grâce d'avoir de lire et d'enseigner les autres. Amen. Mais nous avons tous le rouleau de livres aujourd'hui, la parole de Dieu dans nos mains. Et partout, nous pouvons enseigner la parole de Dieu. Donc nous aussi, nous sommes des sacrificateurs. Parce que nous sommes un peuple que Dieu a choisi. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Et la Bible déclare que vous serez... Vas-y, 1 Pierre 2, verset 9. Vous êtes une race élue. Alléluia. Race élue. Amen. Vous, au contraire. Et race élue, ce sont les chrétiens qu'on appelle race élue. Qu'est-ce qu'on appelle race? On dit la race noire, la race blanche. Vous voyez? Donc, le Seigneur a fait de nous une race. On est différent des païens. Gloire à Jésus. Donc, une race qui est élue. On vote et puis il y a quelqu'un qui est élu. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il nous a élus. Et nous sommes une race élue. C'est-à-dire une race qui a été choisie pour aller au ciel. Est-ce que tu comprends? Et puis quoi? Un sacerdoce royal. Ça veut dire quoi? Quand on parle de sacerdoce, on parle de service de Dieu, un service sacré. Il a fait de nous un service sacré. C'est-à-dire, nous, on ne sert pas n'importe quel Dieu. On sert un Dieu saint. Alléluia.
un sacerdoce qui vient du roi des rois, un sacerdoce grand, un sacerdoce du royaume. Une nation sainte, un peuple acquis. Peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Regardez, il a fait de nous une race, une nation sainte. Amen. Donc, lorsque nous serons dans le royaume de Dieu, nous formerons un peuple et un royaume. Gloire à Jésus-Christ. Et un peuple acquis. Un peuple, ça veut dire quoi? Quand on dit qu'il a acquis, ça veut dire quoi? Acquis. C'est-à-dire qu'il a acheté. Amen. Il s'est approprié. Il s'est accaparé. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a pris ça. Donc nous sommes un peuple accaparé. Accaparé, un peuple saisi. Un peuple qu'il a possédé. Merci. Vous, ce sont des bons verbes. Un peuple qu'il a possédé. Donc tu es un peuple possédé de Dieu. Tu es un peuple acquis. Tu es une nation sainte. Une race élue. Un sacerdoce royal. Tu n'es pas n'importe qui. Souvent les chrétiens sont fous. Tu sais qui tu es. Souvent les gens même disent, tu sais qui je suis là. C'est nous les chrétiens doivent dire ça. Mais les parents disent ça et puis ils s'en vont. Mais nous, Satan sait qui nous sommes. La seule personne qui sait qui nous sommes, c'est Satan. Mais toi, tu ne sais pas qui tu es. Satan sait que tu es une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un royaume des sacrificateurs. Pour Dieu. Et la vie éternelle est notre demeure pour toujours. On n'est pas n'importe qui. Tu es la. La Bible déclare que nous sommes la prunelle des yeux. Montrez-moi la prunelle. Prunelle des yeux, c'est quoi? Viens ici, il y a pas quelque chose. Dépêche-toi. Ouvre tes yeux. Vous avez vu, non? Voilà la peine, rappelons ses yeux. Va t'asseoir. La Bible déclare que nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Donc, si quelqu'un veut toucher la prunelle de Dieu, automatiquement Dieu sent ça. Nous sommes les yeux de Dieu. Donc, un enfant de Dieu, c'est l'œil de Dieu. Alléluia. Donc, si Satan veut te toucher, c'est-à-dire qu'il a touché la prunelle de Dieu, automatiquement Dieu ressent. Alléluia. C'est la première chose. C'est-à-dire les yeux là sont, on appelle un réflexe. Involontaire, c'est-à-dire autant qui ferme tes yeux. Donc, la Bible déclare que nous sommes la prunelle des yeux, c'est dans la Bible. Hein? Alléluia. Mais toi, tu es grand. Ma soeur, tu es grande. Tu es une nation sainte. Mon peuple, tu m'obéis. Et avant, on n'était pas peuple de Dieu. Mais Jésus-Christ a fait de nous peuple de Dieu par son sang. On était tous des païens. Et il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle lumière. Il y a lumière et lumière. Il faut dire lumière et lumière. Mais cette lumière-là, c'est une lumière adorée. Une lumière qu'on acclame. Une lumière qu'on approuve. Agréable à voir. Quoi encore? Sublime. Resplendissante. Merveilleuse. Et nous étions en fond dans le noir, dans l'obscurité. Dans quoi? Dans les ténèbres. Mais il nous a fait sortir de ces ténèbres et nous a mené dans son admirable lumière. Alléluia. Ceux qui ont fait le ciel, quand ils viennent là, quand on leur demande le ciel là, c'est la couleur comment? Ils ne peuvent pas expliquer. Ils ne peuvent pas. Parce que c'est une lumière qui donne la vie. Quand tu rentres au ciel là-bas, là-bas sent la paix. C'est-à-dire l'odeur là-bas, ça sent la paix. Ça sent la joie. Ça sent le bonheur. Ça sent, tu sais, toi-même là, je ne sais même pas comment vous expliquer. Vous n'avez jamais remarqué quelque chose. Souvent, le Seigneur nous fait sentir un peu le ciel. Mais si ça trouve deux secondes, trois secondes, vous n'avez jamais remarqué qu'un jour, tu es là un coup, et puis il y a une joie, une paix qui vient, et puis ça s'en va. Moi, j'ai une fois senti ça. Vous n'avez jamais senti ça? Tu es là comme ça, tu es assis là, et puis un coup, c'est comme tu es en train de penser quelque chose, mais il y a une joie qui t'anime, et puis mais cette joie ne dure pas. Mais là-bas, ce n'est pas éphémère, c'est pour toujours. Alléluia. Donc,
partir d'aujourd'hui, sache que tu es le peuple de Dieu. Et pas n'importe un peuple élu. Un peuple acquis par son sang précieux. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit que ce n'est ni la puissance, ni les dominations, ni les profondeurs, ni la hauteur, ni les anges, ni tout ce qui est sur nous peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu es le peuple de Dieu, mon frère. Ma soeur, tu es le peuple de Dieu. Tu es béni du ciel. Alléluia. Je dis à quelqu'un de se réjouir parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu vois, imaginez quelqu'un a dit, attends, où tu es là, tu es sûr que tu vas bien habillé, bien sapé, et puis tu vas quelque part. Il y a un fou qui est assis dans le caniveau, dans l'égout, il est en train de nager, puis tu as dit, non, moi aussi, j'ai nagé aussi dedans. Non! Parce que toi-même, là, tu te dis, mais c'est que je suis fou, on me prend comme un fou. C'est comme ça que tu dois te voir, toi et ceux qui n'ont pas Christ. Et tu dois les amener dans ce lieu-là, pour les amener dans l'admirable lumière. Pour dire qu'ils sont dans les ténèbres, il faut qu'eux aussi viennent goûter cette lumière. Bien-aimés, nous sommes appelés à aller au ciel. Dieu nous réserve un lieu grand, la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire quand tu t'imagines même quoi, tu ne sais pas comment expliquer. La vie déclare que où on va partir trouver Jésus là, la vie de là-bas est éternelle, ça ne va jamais finir. La joie là, c'est éternel. Là-bas, moi j'aime prendre des trucs. Tu sais comment? Ça fait mal, non? Aussi, il n'y a pas de douleur. Même, il est venu le pincer comme ça, même là, il va commencer à rire. Il me dit, mais chatouille. Amen. Au ciel, il n'y a pas de deuil. Aujourd'hui, on est en train d'écouter parole. Mais actuellement, il vous assure que dans des familles, certaines familles sur la terre, quelque part, au bout de la terre, quelque part, même au niveau d'Abidjan, il y a des personnes qui sont en deuil. Amen. Qui sont en deuil. Ces personnes sont en deuil. Pleurent. Pleurent. Je vous dis aujourd'hui, ils sont dans la tristesse. Aujourd'hui, les gens sont à l'hôpital, au CHU. Ils sont là-bas. En tout cas, la vie. Vous savez, quand quelque chose arrive, c'est comme ton cœur, ta respiration est coupée. Parce que quand le deuil arrive, là, c'est comme ça. C'est comme si tu ne peux plus respirer. Mais le ciel, tu as bien respiré. La Bible nous dit qu'il n'y aura plus de douleur, ni de deuil, ni de cri. Non, là, seulement, je suis content. Moi, je n'aime pas crier. Quand tu es là-bas, le coin est calme. Et la joie, la vie règne dans le royaume. Il n'y a plus de cris. Il n'y a plus de maladies. Tu as gagné l'argent, tu as payé médicaments. Tu as gagné l'argent, tu as fait ceci. Là-bas, on ne paye plus facture de courant, on ne paye plus facture d'eau. Courant même, là, c'est Jésus. Dieu lui-même assis sur son trône. Il est clair. Facture, là, c'est assis la terre, on paye pour lui. Pour payer facture pour lui, là, c'est de vivre dans la sanctification. C'est facture là qu'il doit payer comme ça. Pour que tu arrives là-bas, là, tu vas vivre heureux. Et là-bas, tu ne payes plus facture, tu ne payes rien. Parce que la vie de Christ reflète toi ta vie. Alléluia. Là-bas, il n'y aura pas de blanc, il n'y aura pas de noir. On sera la même chose. Il n'y a pas qu'un non, nous sommes des blancs, nous sommes des noirs. Non. La Bible déclare que nous serons revêtus à l'image de Christ. Allez, ton corps, quand tu as réalisé le corps de Christ, c'est le même corps que tu as. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Donc, si tu as cicatrice sur toi, ne dis pas que cicatrice, là, tu vas voir ça au ciel. Au ciel, cicatrice va disparaître. Si tu es handicapé, on ne verra pas ton handicap au ciel. Ton handicap va disparaître. Le lion et l'agneau vivront ensemble. Le tigre vivra avec l'antilope. Vous voyez? Et le ciel, c'est un lieu de paix, de joie. Donc, c'est pourquoi Dieu te dit, Dieu peut bénir mon frère, ma soeur. Quel mot Dieu peut nous dire pour qu'on puisse comprendre? Il dit une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple des rachetés. Dans cette version, on dit un peuple des rachetés au lieu de dire à qui? Tu es racheté par le sang de Jésus. Bien aimé, cela nous allons arrêter. Parce que nous sommes le peuple élu de Dieu. Tu vas te tenir debout et tu vas le bénir, le louer. Alléluia. De ce qu'il a fait de toi un homme, une femme. Béni de Dieu.